c'était un feuilleton, cette histoire, c'était un roman. On l'a souvent appelée Simone par son prénom et pas Simone Weber, parce que bon, c'est un personnage un peu de roman populaire. Les journaux de la presse locale titraient « La diabolique aux assises ». Une mamie qui s'amuse à faire des coups de sécurité comme les grands voyous le font quand ils vont sur des braquages ou autre, on dit si elle agit comme ça, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. Je me demande comment elle peut dormir et comment elle peut encore se regarder dans une glace. On était un peu comme un vieux couple. Alors parfois on se disputait, parfois c'était beaucoup plus calme. Je suis pas le bon Dieu, ni la diabolique. Je peux vous dire que jusqu'à son dernier souffle, elle essaiera encore d'établir son innocence. L'affaire Simone Weber, c'est un crime sauvage, incarné par le visage d'une gentille petite grand-mère. C'est le meurtre de Bernard Etier, 55 ans, son ancien amant tué et qu'elle aurait découpé avec une meuleuse à béton. L'affaire Simone Weber, c'est une enquête complexe, une instruction fleuve et un procès spectaculaire et théâtral qui a passionné la presse et les Français durant des semaines. Simone Weber a joué pendant des années une partie d'échec macabre avec un juge d'instruction obstiné avec son juge, Gilbert Hill. Près de 25 ans après sa condamnation, qu'est devenue Simone Weber? Que sont devenus les proches de la victime? Quel regard portent les policiers, les avocats, les journalistes sur cette affaire? Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes, à commencer par Simone Weber, et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors normes. France Inter. 20 ans de réclusion criminelle pour Simone Weber, reconnue responsable de la mort de Bernard Etier. L'accusée était absente à la lecture du verdict. Tout commence 6 ans plus tôt, le 22 juin 1985. Bernard Etier, contremaître de 55 ans, divorcé, et père de deux filles, vit seul à Maxéville dans la banlieue de Nancy. Cela fait plusieurs jours qu'il n'a plus donné de nouvelles à sa fille Patricia. Je suis venue voir s'il était dans sa maison, on n'y était pas. Et j'ai sonné, voyant que j'insistais, donc les voisins en face m'ont recueilli en me disant « venez rentrer ». C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'ils avaient vu Simone Weber partir samedi matin avec papa. Simone Weber. C'est une femme qui entretient une liaison orageuse avec Bernard Etier depuis 3 ans. D'ailleurs, ce samedi-là, les voisins de Bernard Etier ont observé un drôle de manège. Les voisins ont entendu un peu d'éclat de voix. Le voisin qui est un peu curieux s'est approché, il a entendu qu'ils se disputaient. Bon, il n'a pas insisté, il est reparti. Et peut-être un quart d'heure après, il les a vus partir tous les deux en voiture, chacun avec leur voiture. Depuis ce matin du 22 juin, plus personne n'a revu Bernard Etier. Patricia Etier, c'est vous qui lancez l'affaire. Pourquoi est-ce bizarre que votre père ne donne pas de nouvelles? Parce que à l'époque, j'avais une relation avec papa qui était assez fusionnelle. On se voyait une fois par semaine. Donc, où je téléphonais, où je passais. Et donc là, plusieurs semaines sans nouvelles. Donc, je me suis un petit peu inquiétée. Je trouvais que c'était pas normal. Et il était dans quel état d'esprit? Bon, il était bien. Bon, sauf que Madame Weber le harcelait déjà à l'époque. Elle était toujours devant sa porte à n'importe quelle heure du travail. Elle le suivait, même jusqu'à son travail. Elle le suivait à sa sortie du travail. Et elle venait devant chez lui jusqu'à ce qu'il ouvre la porte, quoi. Donc, vous alertez la police. Que vous dit-on? On ne croit pas trop, parce que c'est vrai que, vu l'âge de mon papa, on peut faire une fugue, on peut disparaître, on peut vouloir s'éloigner, on peut... Donc, vous allez décider d'enquêter vous-même. Par quoi est-ce que vous commencez? Par la suivre. Alors, je me suis grimée, je ne vous dis pas, parce que comme elle le connaissait, donc, je la suivais avec un foulard, une perruque. Je pensais qu'elle allait me mener quelque part, qu'elle allait m'emmener une cachette ou je sais pas, ou chez quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'aurais peut-être pu trouver papa. Mais non, elle faisait que les allers-retours dans ses deux appartements. Donc, et si on sonnait, elle ne répondait pas de toute façon. Donc. Bernard Etier était peut-être harcelé par Simone Weber parce qu'il avait une nouvelle compagne, Monique Nuss.
elle aussi s'inquiète quand elle reçoit un étrange appel dont son fils Didier se souvient encore aujourd'hui. Didier Nuss, au soir du 22 juin, votre mère reçoit un coup de fil anonyme. Que dit-il ? Il dit que Bernard ne va pas rentrer comme convenu. Ils avaient prévu de partir ensemble en week-end. Et elle n'a pas du tout cru cette personne. Qui est au bout du fil ? C'est un homme, une femme ? C'était un homme qui se faisait passer pour un ami de Bernard. Donc on a trouvé ça bizarre et elle m'a envoyé... tout de suite prendre des nouvelles, essayer de voir s'il n'était pas chez lui, déjà, dans un premier temps, à Maxéville. Et comme on avait quelques renseignements concernant Simone Weber, je suis allé aussi aux autres domiciles de Simone. Et qu'est-ce que Bernard Etier vous a dit de cette femme ? Qu'il fallait s'en méfier, que s'il lui arrivait quoi que ce soit, ça pouvait venir que d'elle. Et on a pris peur parce que quelques semaines précédentes, on avait eu l'arrivée de Bernard complètement ensouqué, comme drogué, à la maison, qui trouvait à peine son chemin. Et j'avais pu remarquer qu'il avait une marque de piqûre dans le bras. Donc on suppose qu'il avait été drogué. Et on a tout de suite pensé qu'il aurait pu arriver la même chose, voire pire. Donc vous allez mener un peu votre enquête, vous allez devant chez Simone. Qu'est-ce que vous découvrez ? Qu'est-ce qui se passe ? À Nancy, avenue de Strasbourg, j'ai sonné. Le rideau du premier étage a bougé, ça n'a pas répondu. Sur le parking quasiment face, j'ai découvert, fermé à clé, la Renault 9 bleue de Bernard. Je suis repassé plus tard dans la soirée, il faisait nuit. Et là, il n'y avait plus de voiture de Bernard. Elle avait disparu. Mais où est passée la Renault 9 bleue ? Et où est Bernard Etier ? Après deux semaines d'absence, la police consent enfin à essayer de comprendre. C'est le service de l'inspecteur Charles Deray qui est chargé de l'enquête. D'ordinaire, il s'occupe plutôt de stupes et des mœurs. Charles Deray, vous étiez le directeur d'enquête dans le dossier Simone Weber. Alors pourquoi ce n'est pas la PJ qui est saisie au départ de cette affaire ? Alors au départ, il n'y a pas de suspicion criminelle, il n'y a pas de fait criminel. C'est une disparition simple, comme il y en a des milliers en France. Et la sûreté urbaine dans laquelle je travaillais a des services spécialisés qui interviennent sur la ville et sur le département. La PJ, elle, est spécialisée sur des affaires plus importantes avec des ramifications nationales ou internationales. Donc on n'était pas du tout dans ce cadre-là. Vous lancez les recherches deux semaines après le signalement de sa disparition. Est-ce que vous n'avez pas perdu beaucoup de temps ? Non, parce qu'il n'y avait pas d'éléments qui pouvaient confirmer un assassinat ou des faits criminels. C'est vraiment la procédure de recherche dans l'intérêt des familles. On essayait d'avoir des éléments pour savoir s'il y a autre chose qu'une disparition simple. Les policiers surveillent Simone Weber, la prennent en filature et interrogent ses voisins, le couple Hag. Ceux-ci apportent un témoignage capital. L'après-midi de la disparition de Bernard Etier, ils ont vu un homme entrer dans l'immeuble avec Simone Weber. Mais ils ne l'ont jamais vu redescendre. Pire, ils ont entendu des bruits inquiétants à l'étage. Madame Weber, puisque c'est elle dont il s'agissait, avait passé une nuit à utiliser un instrument électrique. Elle avait descendu au petit matin des sacs poubelles en quantité importante, qu'elle les avait placés elle-même dans le camion. Elle avait attendu le camion des ordures pour mettre ses poubelles dedans et qu'ils avaient regardé sa santé, le sang. C'est ce qui m'a été rapporté. Incroyable. Les policiers placent Simone Weber sur écoute. Et les échanges téléphoniques qu'elle a avec sa sœur cadette Madeleine, qui vit à Cannes, sont très intéressants. Simone et Madeleine parlent d'une certaine Bernadette qu'il faudrait changer d'école. Un nom de code, sans aucun doute. On s'est dit, pourquoi Bernadette, ce ne serait pas la voiture de Bernard ? Pourquoi changer d'école, la changer de lieu de stationnement ? Et de là, on a réussi à craquer le code. Et ce n'est pas tout. À Cannes, les policiers découvrent que Madeleine loue un box sous une fausse identité. À l'intérieur,
bingo, la fameuse Bernadette, la Renault 9 bleue de Bernard Etier, équipée de fausses plaques d'immatriculation. Une découverte étrange qui provoque l'interpellation des deux sœurs. Et dans la foulée, une perquisition fructueuse. Chez Simone Weber, deux carabines, des explosifs et des faux papiers. Chez Madeleine, à Cannes, on retrouve les papiers de la Bernadette, un chéquier et une carte de sécurité sociale appartenant à Bernard Etier. Mais surtout, dans le coffre de la voiture, un outil de bricolage interpelle les enquêteurs. Une meuleuse pour découper du béton, louée par Simone Weber la veille de la disparition de Bernard Etier. Cet engin pouvait éventuellement avoir servi à démembrer un cadavre. La meuleuse est peut-être tout simplement ce bruit de machine entendu par les voisins du dessous la nuit qui a suivi la disparition de Bernard Etier. Les deux sœurs sont questionnées par la police. Charles Deray, quelle est l'attitude de Simone et de Madeleine Weber en garde à vue ? Simone n'a rien lâché, n'a rien dit, n'a rien abandonné. La sœur de Simone Weber est quelqu'un d'effacé, de beaucoup plus timide, de beaucoup plus gentil, pas le mot, mais plus calme que sa sœur. Et donc, elle a nié les faits en bloc. Comment les deux sœurs expliquent-elles la présence de la voiture de Bernard Etier dans le box à Cannes ? Alors, la sœur ne s'est jamais exprimée là-dessus, ou très très peu. Par contre, Simone Weber a toujours été fidèle à ses explications. C'était pour rendre service à Etier, pour pas qu'il ait d'ennui à des contraventions en la laissant sur la voie publique à un moment donné. Et puis, pas qu'on sache que Bernard Etier faisait des frasques et avait disparu un certain temps. Elle vous ment, ça vous agace et elle vous mentait avec talent. Avec force et conviction. Talent, je ne sais pas, mais avec conviction. À l'issue de leur garde à vue, Simone et Madeleine sont présentées au juge d'instruction, Gilbert Hill. Le début d'une relation houleuse entre Simone Weber et son juge. Une relation unique dans l'histoire de la justice. Gilbert Hill, vous vous rappelez votre premier face-à-face avec Simone Weber ? Oui, lorsque je l'inculpe, elle me déclame quelques phrases protestant de son innocence. Et ensuite, je lui fais connaître la possibilité qu'elle a de choisir un avocat. Elle me dit sans rire, je fais le choix de Maître Robinet qui va me laver de tout soupçon. Je reste effectivement impassible et je lui annonce que je la place en détention provisoire. À l'époque, c'est le juge d'instruction qui place en détention provisoire. Et elle se comporte comment avec vous ? C'est l'innocence personnifiée. Pour quel motif inculpez-vous les deux sœurs Weber à l'issue de ce premier interrogatoire ? Simone Weber est inculpée à l'époque d'homicide volontaire et de quelques délits connexes, divers et variés, puisqu'il y a notamment des infractions à la législation sur les explosifs et les armes, puisqu'on a retrouvé trois bâtons de dynamite chez elle, un dispositif de mise à feu, deux carabines de 22 longs rifles, un stock de munitions, des timbres de humides de mairie ou d'autres institutions de pharmaciens qui s'avéreront être dérobés en divers lieux. Madeleine Weber est inculpée pour recel du véhicule de Bernard Etier et également de destruction de preuves d'éléments à conviction. Est-ce que la première fois que vous les voyez, elles semblent inquiètes l'une et l'autre ? Non, elles se défendent de leur petite voix chantonnante, mais bon, j'en ai vu d'autres. Les policiers ont accumulé pas mal d'indices. Mais il en manque un, et de taille, le corps de Bernard Etier. Trois mois après sa disparition, un pêcheur de Poincy, en Seine-et-Marne, donne sans le savoir un coup de pouce décisif à l'enquête. Il repêche une valise dans la Marne, à plus de 300 km de Nancy, et lorsqu'il l'ouvre... C'est là qu'on a vu la paire de fesses, quoi. On voyait carrément que c'était une paire de fesses, c'était pas un cochon, moi. C'est un tronc humain. Il faudra 9 mois pour faire le rapprochement avec Bernard Etier grâce à une radio du bassin du disparu comparée à celle de ce tronc. L'expert légiste est formel, c'est bien lui.
Et ça tangentait les, on va dire, 99,9 pour vous donner une idée. C'était quand même très similaire. Mais 99,9, ce n'est pas 100%. C'est ce que rappelle la défense, qui conteste donc l'identité du tronc. La valise va pourtant livrer un autre secret. Des traces d'une peinture bleue. L'analyse de la peinture bleue du parpaing servant à lester la valise était la même composition que la peinture dans la maison de Simone Weber. Sous la peinture, j'ai trouvé des grains de sable qui étaient les mêmes grains de sable que ceux du jardin de Simone Weber également. Les policiers et le juge ont maintenant un morceau de corps qui pourrait être celui de Bernard Etier et un scénario qui tient la route. Selon eux, le meurtre se serait déroulé dans l'appartement de Simone Weber. Un calmant lui a peut-être été administré à son insu et il est fort probable qu'il soit décédé d'un coup de 22 long rifle. Et par la suite, dans la nuit, elle le découpe en morceaux après avoir mis des plastiques pour protéger le sol. Elle met dans le camion d'ordures les sacs. Elle utilise également une valise qu'elle a trouvée chez Etier pour y mettre le tronc, sans les membres. Et le mobile ? Alors le mobile, la jalousie, parce qu'elle a toujours soupçonné Etier d'avoir des relations féminines nombreuses, et elle a vu qu'Etier la lâchait, elle ne l'a pas supportée. Simone Weber, on a dit que vous aviez un mobile, le dépit amoureux, et que vous n'avez pas supporté qu'il ait d'autres femmes. Vraiment. Impensable, amoureuse. Remarquez qu'il y en a qui tombent amoureux. Hein. 60 ans, je lisais ça dans un magazine. C'est peut-être possible, je dirais ça, hein, si ça arrive. En tout cas, pas vous. Ben, je ne crois pas. Il hein. Faut jamais dire jamais, mais je ne crois pas. Les policiers concentrent maintenant leurs recherches sur le passé de Simone Weber. Ils découvrent qu'elle a déjà été mariée à un militaire retraité, veuf et sans enfant, un certain Marcel Fixard. L'homme est mort subitement en 1980. 3 ans avant son décès, ce monsieur cherchait une dame de compagnie. Simone Weber s'est présentée, a séduit l'homme et le mariage a été célébré à Strasbourg. Les policiers retrouvent l'un des témoins du mariage et l'interrogent. Surprise, je le connais pas celui-là, je l'ai jamais vu celui-là. Oh mais il était pas comme ça. Elle commence à nous décrire un homme qui n'avait rien à voir avec Marcel Fixard. Simone Weber est donc soupçonnée d'avoir embauché un figurant pour se marier. Un figurant qu'on n'a jamais retrouvé. Et Marcel Fixard est mort, lui, 3 semaines seulement après cette union, d'une crise cardiaque, alors qu'il était en bonne santé. Bizarre. D'autant que les policiers découvrent que Simone s'était fait prescrire un puissant médicament pour le cœur, de la digitaline, et ceci à l'aide de fausses ordonnances. Pour le juge, Simone Weber a un mobile, l'argent. Avec la mort de Marcel Fixard, elle peut toucher l'héritage du papy, un compte en banque bien garni et une maison à Rosières-aux-Salines. Le corps de Marcel Fixard est exhumé pour vérifier s'il reste des traces de poison dans les viscères. Mais la toxicologue ne trouvera pas grand-chose. À partir du moment où vous n'êtes pas capable de dire c'est certainement la digitaline, eh bien vous émettez un doute. Gilbertine, malgré ce doute, vous l'inculpez quand même une deuxième fois pour l'empoisonnement de Marcel Fixard. Quand vous avez quelqu'un qui s'est emparé de la maison de celui qui deviendra son pseudo-mari, qu'elle aura épousé à l'insu de ce dernier, et dont elle captera tous les biens par un faux testament, et qu'elle aura acheté avec des ordonnances volées et falsifiées de la digitaline, eh bien, ma foi, j'ai estimé qu'il y avait des charges suffisantes pour qu'elle soit jugée également du chef d'empoisonnement. C'est ça le rôle d'un juge d'instruction.
Le 17 janvier 1991, Simone Weber comparaît pour deux assassinats devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Celui de Bernard Etier et celui de Marcel Fixard. L'audience est prévue pour durer 6 semaines, un record de longueur. Le procès s'annonce spectaculaire et théâtral. Liliane Glock, avocate de Simone Weber, était aux premières loges. Liliane Glock, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait prendre encore 6 semaines pour juger un crime passionnel ? Je ne sais pas, mais c'est pas dans l'air du temps. Il faut dire les choses, hein. Ça a été un spectacle. Si vous voulez, le public qui quittait la salle le matin, ils allaient à la baraque de frites qui a fait fortune s'acheter un sandwich et ils reprenaient la queue pour rentrer à 14h. Parce qu'il y avait une file d'attente à la sortie, la salle était comble et on attendait qu'une place se libère pour venir s'installer. Ça a été un grand spectacle. J'ai fait dédicacer quelques livres à Simone Weber. Et qu'est-ce qu'elle leur écrivait ? Elle était quand même un peu préoccupée par son procès. Elle me disait, qu'est-ce que j'écris ? Et je disais, écoutez, marquez pour Michel, la personne qui a demandé, voilà. C'est quand même, c'est quelque chose quand même. Le cas Marcel Fixard est examiné en premier. Mais l'accusation a peu d'éléments pour charger Simone Weber. Pour Bernard Etier, les indices matériels et les témoignages sont en revanche beaucoup plus solide. Le 28 février 1991, après 11 heures de délibéré, le verdict est prononcé en l'absence de Simone Weber, transférée à l'hôpital à la suite d'un malaise. Le verdict est tombé il y a seulement quelques minutes. La cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a condamné Simone Weber à 20 ans de réclusion criminelle. 20 ans pour le meurtre de Bernard Etier. La préméditation n'a pas été retenue et Simone Weber est acquittée pour l'assassinat de Marcel Fixard. Sa sœur Madeleine est condamnée à 18 mois de prison ferme pour avoir détruit le passeport et le chéquier de Bernard Etier. Liliane Glock, que pensez-vous du verdict qui a été rendu par la cour d'assises ? 20 ans. Je pense que c'est... Comment on dit quand on parle bien ? Une cotte mal taillée. Elle est coupable de quoi ? D'avoir tué son amant par jalousie ? L'addition est élevée. Après sa condamnation, Simone Weber ne baisse pas les bras. À l'époque, l'appel n'existe pas pour les verdicts d'assises. Toujours combative, elle se pourvoit aussitôt en cassation. C'était une forme de logique, puisqu'elle a estimé avoir été victime du juge, de la police, de la presse. Il était normal qu'elle aille au bout de sa logique et qu'elle espère bénéficier d'un autre procès. Simone Weber est finalement déboutée. Elle va donc purger sa peine à la centrale pour femmes de Rennes. Elle a été une détenue sans histoire. Beaucoup plus facile d'ailleurs qu'elle n'avait été lorsqu'elle était en détention préventive à Nancy, où elle était un petit peu la vedette, puisqu'on parlait très souvent d'elle dans les journaux. Et là, elle imposait sa loi aux autres détenus. Simone Weber partage sa cellule avec son dossier. Plus de 18 000 pages qu'elle n'a cessé de lire et de relire. Elle a continué pendant toute cette période à travailler sur son dossier, à écrire, à rechercher des éléments qui seraient de nature à permettre la réouverture du procès, de démontrer son innocence. Mais à ce jour, son procès en révision n'est toujours pas d'actualité. Simone Weber a retrouvé la liberté le 18 novembre 1999, après 14 ans de prison. Son avocat était présent le jour de sa sortie. On a déjeuné ensemble et je l'ai ramenée à Orly, où elle prenait un avion pour aller à Cannes rejoindre sa sœur. J'ai vu que la compagnie avec laquelle elle voyageait, c'est la compagnie Air Liberté. Je trouve que sur le plan symbolique, c'était une image assez extraordinaire, tout à fait fortuite. «
Aujourd'hui, Simone Weber vit à Cannes, dans la même résidence cossue que sa sœur Madeleine. À 85 ans, elle est affaiblie par son âge, mais toujours aussi combative. Simone Weber, comment allez-vous aujourd'hui ? Ben, un jour pas vraiment bien. Je ne peux pas bouger mes bras des fois, même pas la main pour prendre une tasse. On ne le dirait pas comme ça, mais alors quand on est du haut en bas, presque paralysé comme ça, on ne peut rien faire. Quand ça va un peu mieux les jours où j'ai moins mal, ben il faut faire tout ce qu'on ne fait pas quand on a pas, quand on a mal. Comment vous occupez vos journées, justement ? Que je m'occupe, je me lève très tard et je suis presque tout le temps couchée. Sans rire, presque tout le temps couchée. Comment s'est passée votre détention ? Je lisais, puis j'écrivais. J'écrivais tellement que je pouvais plus écrire, tellement j'avais mal dans le poignet. Non, puis je m'occupais des autres, de les aider dans ce qu'elles disaient. Alors, si j'étais un tas de torchons qui massacre un homme à la tronçonneuse, je ne crois pas que je ferais des choses comme ça. Hein. On dites-vous que vous étiez une détenue modèle ? Ben, je suis en détention comme dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas le bon Dieu, ni la diabolique, ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que vous aviez accepté votre peine ? Accepté ma peine ? Je vais vous dire, enregistrez le bien. Hein, et quand on voit la crapulerie qui existe, hein, et les gens qui assassinent moralement des gens qui n'ont jamais fait de choses pareilles, eh bien, on serait presque mieux en prison. Si l'affaire Simone Weber a marqué les annales judiciaires, c'est sans doute en raison de la personnalité de l'accusée. Une mamie aux mille visages, coriace, pugnace et mystérieuse. Elle n'est jamais naturelle, elle est toujours dans la représentation, elle est toujours dans l'excès, dans l'invective. Donc, à vrai dire, une femme, je pense, complexe, qui a volontairement évité de se révéler, puisque pendant la procédure pénale, elle a refusé les expertises psychiatriques, ce qui est quand même assez rare. C'est un peu de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Elle peut être mielleuse, toute gentille quand elle a besoin de quelque chose, et puis subitement, elle peut changer de caractère, elle est très virulente, méchante. Une personnalité qui marque encore les policiers aujourd'hui et qui les a désarçonnés dès le début de l'enquête, quand ils ont commencé leur filature. Au début, on prenait un petit peu de distance, on disait « Oh la mamie, elle va jamais nous retapisser hein, », donc on prenait pas trop de précautions. Et puis, plusieurs fois, on a remarqué qu'elle s'arrêtait. Elle faisait ce qu'on appelle en langage policier des coups de sécurité. Alors, soit elle s'arrêtait, soit elle faisait demi-tour. Ou après, elle repartait ailleurs. Il était évident qu'elle nous avait repérés. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on se dit, une mamie qui s'amuse à faire ça, comme les grands voyous le font quand ils vont sur des braquages ou autre, on se dit, si elle agit comme ça, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. Elle ne manquait pas une occasion de me dire, Monsieur Deré, vous n'êtes pas un peu grossi, Monsieur Jacques, mais vous vous comportez comme un voyou. Et il n'y a que Monsieur Till qui échappait un peu à sa vindicte. Simone Weber, Gilbert Till, un duo atypique et inoubliable. Ils se sont affrontés à 75 reprises dans le bureau du juge. Une relation parfois orageuse, mais parfois aussi complice. Quand ça se passait bien avec le juge Till, elle l'appelait mon poussin. Et puis quand ça se passait mal entre eux, elle l'appelait Touvier. Touvier, l'ancien chef de la milice de Lyon. Une autre fois, à la sortie d'un interrogatoire houleux, elle trouve à son juge un autre surnom. Il refuse de le prouver, alors c'est un assassinat moral, c'est un bandit. Mais parfois, le duo se rabiboche et le juge Till accepte d'accompagner discrètement Simone Weber au cimetière pour se recueillir sur les tombes de deux de ses enfants décédés. C'est vrai que à l'occasion de tels moments, il peut y avoir des échanges d'humanité, on va dire d'humanité, entre une prévenue et un juge d'instruction.
Et puis, après, il y a le conflit qui résulte du dossier, où chacun a des convictions très fortes dans un sens opposé, et qui fait que nécessairement, par moments, ça devient très, très vif. Gilbert Thiel, quelles étaient vos relations avec Simone Weber ? Comment ça se passait avec elle ? Elle était respectueuse, j'étais respectueux de sa personne. J'avais une grosse difficulté. Simone Weber est quelqu'un d'instinctif dans l'interrogatoire, mais qui éprouve absolument le besoin de justifier tout et son contraire, donc qui parle sans arrêt. Et qui, à défaut de toujours réfléchir suffisamment, se met après dans des situations un peu délicates pour elle. Mais vous aussi, vous êtes un instinctif, donc comment ça se passait entre vous et elle ? Par moments, il peut y avoir des conflits quand même. Ah oui, il y a eu des coups de sang, mais enfin bon, c'est un peu... Ce n'est pas un jeu, donc, mais néanmoins, on dit c'est le jeu du chat et de la souris. Un jour, je lui ai dit, moi, j'ai passé le concours de chat, vous êtes titulaire du diplôme de la souris. Mais on était un peu comme un vieux couple. Alors, parfois, on se disputait, parfois, c'était beaucoup plus calme, dans une ambiance beaucoup plus zen. En même temps, vous aviez avec elle des relations étranges. Vous l'avez même sortie de prison pour l'emmener voir ses enfants au cimetière. C'est pas tout à fait légal, ça. Vous trouvez quoi d'étrange là-dedans ? Non, mais c'est pas tout à fait légal. Est-ce que c'est illégal ? Non. Donc, je l'ai fait à 5 ou 6 reprises. Alors, certains ont dit, ouais, vous faites ça pour obtenir des aveux, mais c'est absolument ridicule. Il y a un minimum d'humanité. Et si cette humanité doit comporter quelques prises de risque, ben, prenons-les. Simone Weber, vous aviez une relation un peu particulière avec Gilbert Thiel ? Non, pas particulière. Je n'ai jamais eu de haine, de toute façon, contre lui. Je me doute bien que quand, à longueur de journée, qu'on interroge des gros bagnards, des grosses crapules, ça doit machiner les esprits et le cerveau. Et vous regrettez de l'avoir appelé mon bandit ? Quand j'ai dit ça, c'était dans le hall du tribunal, ça m'est sorti un bandit. Et je lui dis, je m'excuse, monsieur Thiel. Vous savez, ça m'est sorti comme ça, mais c'est pas ce que je pense. Gilbert Thiel, les avocats de Simone Weber vous ont accusé de vous acharner contre elle parce que vous l'aviez maintenue en détention provisoire pendant 5 ans. Madame Weber a fait la grève de l'instruction pendant près d'une année. Je répète qu'elle a déposé une plainte au pénal contre moi, qui a été rejetée, qu'elle a multiplié les manœuvres dilatoires et que, de surcroît, elle a parfois simulé de faux malaises authentifiés médicalement comme de faux malaises dans mon cabinet. J'ai fait le plus vite que je pouvais et s'il y a une chose pour laquelle je me suis acharné, c'est d'essayer de découvrir la vérité. Une vérité qui ne convient toujours pas à Simone Weber. 30 ans après, elle a tenu à passer un message à son juge. Simone Weber, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gilbert Thiel ? Je me demande comment il a pu faire ça. Vraiment. Parce que s'il avait fait une enquête propre, parce que c'est une enquête crapuleuse, vous pouvez le lui dire. D'abord, il le sait. Il le sait. Qu'un homme comme lui fabrique une criminelle de cette façon-là, c'est triste. Je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre. Ben, il n'y a rien de neuf sous le soleil, et notamment sous le soleil de Cannes. J'ai l'impression d'entendre Madame Weber pendant l'instruction ou après sa condamnation. Elle soutient que c'est l'innocence crucifiée, d'autres qui avaient la charge de la juger en ont décidé autrement. Voilà. Vous n'êtes plus juge d'instruction aujourd'hui, que faites-vous ? Hélas ! Que faites-vous ? Rien. Je suis deuxième adjoint au maire de Nancy en charge des questions de sécurité. Chargé le naturel, il revient au galop. Dans l'affaire Simone Weber, la justice s'est donné les moyens. Plus de 5 années d'instruction, 18 000 pages de procès-verbaux, des dizaines d'expertises, de fouilles et de perquisitions. On a vraiment tout essayé, je veux dire, les analyses de peinture, les analyses de bout d'os, on allait dans les cuvettes de toilettes, aller chercher des poils. À un moment donné, je crois qu'on a même vidé un canal
pour tenter d'aller trouver des restes humains. Et quand on faisait une expertise et que l'expertise ne convenait pas à la thèse de l'accusation, ben on faisait une contre-expertise. Puis la contre-expertise, elle convenait un peu plus. Puis on en faisait une troisième pour arriver finalement à conforter ce qu'on estimait être une charge. La défense, elle était avec un lance-pierre contre une division de chars blindés. Liliane Glock, est-ce que le juge Thiel s'est acharné contre Simone Weber ? Dans une affaire comme celle-là, faire assécher un canal, comme chacun sait, ça tire une fortune de la poche du contribuable, c'est quand même une certaine forme d'acharnement. On a changé au XXIe siècle. Quand un juge entend ordonner des diligences qui coûtent très cher, on s'enquiert d'abord du prix. Et on voit si on le fait ou non, si le jeu en vaut la chandelle. Elle a coûté cher, cette enquête, à la justice ? Elle a coûté, d'après la Cour régionale des comptes, 500 000 francs, ce qui n'est pas rien. Et bon, raisonnablement, ce n'était pas justifié. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, une enquête comme celle-ci pourrait avoir lieu, être menée de cette façon-là, aussi longtemps ? Je vois mal la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nancy, actuellement, dans une affaire comme ça, garder quelqu'un 6 ans en détention provisoire. Gilbert Thiel, on peut dire que dans cette affaire, vous n'avez pas lésiné sur les moyens. Certainement pas. Vous connaissez la formule, on disait que la justice n'a pas de prix. C'est pour ça qu'elle a un coût. Mais enfin, cette complainte, parce que je me souviens bien que ça m'a été reproché, c'est dire la pauvreté quand même. Ça, je tiens à le dire, du raisonnement de certains avocats. Si vous ne faites pas certaines expertises, ils vous les reprochent, et quand ils n'ont plus à faire preuve que de poujadisme pour dire cette affaire a coûté cher, à l'époque c'était 500 000 francs, eh ben je plains ceux-ci qui se prétendent les défenseurs des libertés et des droits individuels de venir de dire ça a coûté de l'argent. Donc ça, c'est le genre d'argument que je n'accepte pas, et je sais d'où il vient. Simone Weber, elle non plus, n'a pas lésiné sur les moyens pour se défendre. Pas moins de 25 avocats se sont relayés auprès d'elle. Il faut dire que ce n'est pas simple d'être l'avocat de Simone. Quand ça se passait mal avec un avocat, ou que l'avocat ne faisait pas ce que Simone voulait, elle l'éjectait. Et c'est ce qui fait aussi que... Les avocats lui passaient beaucoup de choses. Il y en a qui n'ont fait que passer. Et parmi ces avocats de passage, plusieurs grands noms. Garot, Collard, Pelletier et Vergès. Vergès avait dit que Thiel avait fait de Simone Weber une créature qui avait les ovaires de Marie Bénard et les couilles de Landru. C'est très imagé, c'était une bonne formule que tout le monde a repris. Elle n'a pas du tout apprécié ce trait d'humour. Elle a si peu apprécié que le ténor a été congédié sur le champ par sa cliente. 30 ans après, malgré les moyens engagés par la justice, des zones d'ombre demeurent dans l'affaire Weber. Aujourd'hui encore, l'identité du corps repêché dans la Marne fait toujours l'objet de vifs débats. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un tronc, mais il n'y a rien qui ressemble plus à un tronc qu'un autre tronc. Au début, on pense que c'est le tronc d'un homme de couleur, mais le tronc ayant séjourné longtemps dans l'eau, il y a eu une dégradation et il y a le problème d'une cicatrice qui résulterait d'une opération de l'appendicite. Tous les dossiers médicaux de Bernard Etier avaient été saisis et à aucun dossier médical ne faisait état d'une opération de l'appendicite. Donc, c'est clair, c'était pas le tronc de M. Etier. Pour moi, c'est pas une zone d'ombre, c'est le tronc de Bernard Etier. Parce que, bon, l'autopsie a mis en évidence des points de concordance sur les points d'arthrose, sur les déformations squelettiques. Bon, en plus, il y a le groupe sanguin qui est identique. À l'époque, l'identification par ADN était une technique balbutiante. Elle a été tentée sur le tronc, mais n'a rien donné, car il avait séjourné trop longtemps dans l'eau. Aujourd'hui, ça serait super simple, je veux dire, ADN, recherche d'ADN. Il y a bien évidemment des preuves de l'ADN de M. Etier vivant. On aurait été voir si le corps était porteur de la même ADN. Autre zone d'ombre, le décès de Marcel Fixard.
Simone Weber a été acquittée faute de présence significative de digitaline dans la dépouille du vieux monsieur. Serait-elle acquittée aujourd'hui ? Le doute est permis. Depuis 25 ou 30 ans, les recherches en toxicologie ont grandement avancé. On aurait pu peut-être savoir si, oui ou non, le corps de M. Fixard était imbibé de digitaline. Ceci dit, la digitaline avait justement cette propriété de très vite se décomposer, disparaître. Donc, sur ce point, je ne peux pas vous répondre de manière certaine. Trente ans après, l'atrocité du crime de Simone Weber reste vivace pour la famille de Bernard Etier. D'autant plus que le deuil a été difficile, faute de corps. Ce que je vais vous dire est absolument horrible. La famille a récupéré deux bocaux. C'est des mots et une image qui ne correspondent pas du tout à nos traditions de deuil dans notre société. Et que c'est avec ça qu'on doit faire un simulacre d'enterrement et de cérémonie. C'est terrible. Je pense que là, c'est une plaie qui restera béante chez Patricia Etier. Patricia Etier, aujourd'hui, vous êtes toujours amère. Parce qu'elle nous a détruit la famille qui me restait. Mon père, c'était tout, quoi. Le fait que Simone Weber soit sortie de prison et qu'elle vive à Cannes. Au soleil, tranquille, coule des jours heureux. C'est honteux. Déjà, elle a été condamnée qu'à 20 ans d'emprisonnement. Mais 20 ans, elle ne les a pas fait, elle en a fait 14. Hein. La bonne mamie tranquille, on l'a relâchée, quoi. Donc maintenant, elle est tranquille, mais moi, je ne serai pas sereine tant que je sais qu'elle est là. C'est-à-dire ? Tant qu'elle est vivante. Et encore, je pense qu'elle ne souffrira pas comme elle a fait souffrir les autres. Simone Weber continue de se dire innocente. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me demande comment elle peut dormir et comment elle peut encore se regarder dans une glace. Je veux dire, moi, je ne sais pas comment on peut vivre avec ça. Vous aimeriez qu'elle avoue ? Oui, ça me soulagerait parce que je voudrais quand même bien savoir ce qu'elle a fait du restant de papa, quoi. Je voudrais bien. À votre avis, qu'est-ce que ça changerait ? Ça changerait peut-être rien vis-à-vis de la vie, parce que maintenant, bon, faut se faire une raison, mais j'aurais au moins la satisfaction de m'être battue pour trouver la vérité puis savoir exactement ce qui s'est passé. Et alors vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous devenez ? On vit avec, heureusement, que j'ai eu ma fille. J'ai eu une fille qui est arrivée un petit peu avant le procès. Ça m'a soutenue dans mes efforts. Je me suis battue aussi un petit peu pour elle, pour son grand-père, quoi. Mais bon, j'y pense, quoi. C'est comme si c'était tout frais encore dans ma mémoire, quoi. Depuis sa condamnation, Simone Weber a eu de nouveau affaire à la justice. Mais cette fois-ci, en sa faveur. Elle avait été condamnée pour son mariage avec Marcel Fixard. Et pourtant, elle a pu rester la veuve de son faux mari. Le parquet n'a pas fait annuler le mariage. C'est un acte civil, il faut le faire annuler. Donc voilà, elle est toujours mariée à Marcel Fixard. Une situation qui a longtemps laissé planer un doute sur l'héritage Fixard, composé notamment de la maison de Rosier Rosaline. Simone Weber pouvait-elle la conserver ? La justice a tranché. Il y a quelques années, le fisc a adressé une réclamation à Madame Weber, une réclamation de taxes foncières sur la maison de Rosier Rosaline. On a saisi le tribunal administratif en disant, mais attendez, de deux choses l'une. Soit Mme Weber n'est plus propriétaire de cette maison en vertu de l'arrêt de la cour d'assises, auquel cas les impôts locaux ne sont pas dus. Soit, si vous déclarez que les taxes fiscales sont dues, c'est qu'elle est propriétaire. Et qu'est-ce qu'il a dit le tribunal administratif ? Le tribunal administratif, il a validé l'imposition au titre de la taxe foncière, donc reconnaissant ainsi que Simone Weber était propriétaire de cette maison.
Simone Weber n'est plus propriétaire de cette maison car elle l'a vendue il y a 4 ans. Simone Weber est toujours aussi jeune d'esprit puisque, à passer 80 ans, elle sait toujours tirer profit de ses anciens magouillages pour hériter d'un homme avec lequel elle ne s'est vraiment jamais mariée. Aujourd'hui, Simone Weber vit avec ses souvenirs et ses secrets. Elle continue d'explorer les méandres de son dossier pour faire triompher sa vérité. Simone Weber, qu'est-ce que vous cherchez dans ces 18 000 pages ? Prouver mon innocence. Parce que j'ai une tête à aller jouer de la tronçonneuse sur quelqu'un qu'on aime bien. Aujourd'hui, Simone Weber, ce que vous aimeriez, c'est la révision de votre procès. Oui. Pour cela, il faut un élément nouveau. Et vous pensez que vous l'aurez un jour ? Je ne vous dis pas. Pourquoi ? Je vous le dirai après. Hein ? Je vous appellerai. Quand vous l'aurez ? Il vous arrive aujourd'hui de repenser à Bernard Etier ? Oui. Parce que j'aimais bien Bernard Etier. J'étais pas sa maîtresse, comme les crapulas ont inventé. Moi, l'amitié, c'est quelque chose qui compte énormément. Cette affaire Simone Weber a eu de nombreuses répercussions sur votre famille. Eh bien, sur mon fils, ça l'a vraiment démoli, mais démoli. D'abord, il était... travaillait mal, qu'il avait quitté son travail, et tout, dans les... de ça. Et tout ça, c'est à cause de cette affaire ? Oui, oui. Et ça, ça peut pas être supportable. C'est pas supportable. Vous avez une autre fille, Danielle ? Oui. Qui, elle, ne vous parle plus ? Non. Pourquoi ? Elle me l'a jamais dit. Et je ne lui ai jamais demandé. Votre sœur, Madeleine, elle vous soutient encore aujourd'hui ? Ah oui. Mais elle ne veut pas en entendre parler. Alors, si elle voit un truc qui est marqué dans le journal, on parle de justice, de police, elle attrape ça, elle dit « Ça t'intéresse encore, la justice ?» Vous avez pensé à un moment donné à écrire un livre ? Il y en a une partie décrite. Comment il s'appelle ? Au nom des innocents, justice, qui es-tu ? J'avais déjà écrit en partie ce que je voulais dire à Rennes. Alors, si ça se trouve, il me faudra la deuxième vie pour finir. Le jour où vous partirez ? Dans l'autre monde, là, je ne crois plus trop à l'autre monde. Et avoir vu des choses comme ça, qu'il faut porter tant d'années, on ne peut pas croire au bon Dieu. Non. Pour quelqu'un qui voulait entrer au Carmel, tu croire au bon Dieu, ça fait drôle, hein ?